Konnichiwa! Bonjour les filles, bonjour les gars, bienvenue dans cette nouvelle vidéo et cette fois-ci, attention, vidéo gaming. J'ai une revanche à prendre sur les bandes d'arcade et aujourd'hui, je suis au Japon. J'ai ici une pile de 100 yens, j'en ai 10 donc ça fait 1000 yens et je vais essayer de gagner une partie de Street Fighter 2 Super sur bandes d'arcade. Allons-y, c'est parti! Sachant que 100 yens me font 2 vies, j'aurai le droit à 20 parties. Allez, c'est parti, on insère les coins. Donc, vous avez vu, on a mis la première pièce. Je lance, ça donne 2 parties. On se met en speed 1, on se met en super. Et on prend Chun-Li. Je me suis habillée en conséquence. Et on commence avec Dalsim en Inde. Monsieur qui a les bras qui s'allongent. Et il n'est pas que les bras d'ailleurs. Hop. Je parlais bien des jambes, bien sûr. Bon, allez. Ah, c'est un petit malin, hein. Bon, premier combat gagné, ça fait plaisir, mais ça ne va pas durer, je le sais. Je vous ai regardé, je me suis déconcentrée. J'ai pas l'habitude de jouer... Merde. Oh. Oh. Dalsim, ça commence à bien aller, là, hein. Il aime pas que je saute dessus, j'ai compris. Voilà, donc il faut que je saute sur Dalsim, ok. Ça me met dans des états de jouer à des jeux vidéo, moi. Je suis complètement stressée. Quand il me brûle, je suis en train de me transformer en merguez géante. Deuxième gagné. Il en reste... Si je gagne... Ah non, mais j'ai gagné 3 fois. Wouhou ! Premier combat, Dalsim au tapis. On va aller voir qui est le prochain. Pour l'instant, je suis contente. Je vous dis tout à l'heure, je vais moins sourire. Ça fait tellement longtemps que j'ai pas joué. Et encore pire sur une borne d'arcade. Et là, je suis au Japon, donc c'est pratique. On en a partout, mais en France, moi, les bornes d'arcade, j'avais pas trop l'occasion d'en avoir. Hein. Monsieur le faucon, là. Hop. Je l'ai senti venir, ton coup de pied. Et il m'a chopé. Il m'a chopé. Oh non, j'y crois pas. Comment il est remonté? Il me lâche plus. Sur le deuxième personnage, je suis déjà en train de perdre. Ah, c'est vrai qu'il fait son attaque du faucon là, qui me surprend à chaque fois. Oh. Je le sais, je devrais arrêter de me laisser avoir. En plus, putain, l'ordi il triche. Hein. Allez, oh fou. Il fait tout le temps pareil. Bon, ok, je crois que c'est mort pour moi. Allez, oh, fou. J'ai perdu. Pff. Allez, là, faut que je me concentre. Faut vraiment que je me concentre, je veux pas perdre. Et là, je suis toujours contre le même, du coup. Toujours avec Chun-Li. Oh, il m'a attrapé. Bon, faut pas que j'abandonne. Je vais devenir pauvre. Ouf. Oh, pff. Allez, non. Comment il m'a attrapé comme merde par la tête, quoi. Ah, reste bloqué dans le coin, là. Saute pas, saute pas, saute pas, saute pas. Je l'ai enfin pulvérisé. Yata. Yes. Allez. Donc, je suis maintenant contre Blanca. Il y a 2-0 pardon, pour lui. J'en ai pas placé un, en fait. Je l'ai pas touché, quoi. Allez, on y retourne au Brésil. Blanca, je dois essayer de te mettre la fessée. C'est pas moi qui te mets la fessée, c'est toi qui me la mets, hein. Blanca de veau. Faut pas que je fasse rien parce que j'avais pas assez de vie. Putain, là ça commence à m'énerver. Allez, on va tester la technique du 1000 coups de pied tout le temps, non-stop. Que Blanca, je peux vous dire qu'il me saoule. Mais en fait, ça n'a pas marché parce que ses coups font plus mal que les miens, je crois. Bien sûr, il m'a bouffé comme un vampire. Du tout le laisser gagner parce que s'il gagne, c'est perdu pour moi.
Et c'est encore perdu contre Blanca. Et je repars sur Blanca. C'est reparti. Toute fraîche. Ou pas. Voilà, c'est interminable ça. Oh là, mais il m'enchaîne. Non mais... Putain, ça commence à me gaver. J'arrête, j'arrête avec les gros mots, j'arrête. Promis, j'arrête. Allez, et de 1, on y croit. Si on y croit, ça peut marcher si on y croit. Yatta, ouais, Yatta. Oh, oh non, oh non, je me suis pas protégée. Voilà, je suis super nulle, je suis désolée. Je suis vraiment désolée d'être aussi nulle. Non, 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 si là tu me butes, j'arrête de jouer. J'ai gagné, mais c'est pas fini. Oh. Les Blanca. Oh, purée. Bon, alors là, c'est la dernière manche. Si je perds, faut que je remette une pièce. Ouais, c'est Blanca, j'en pouvais plus. J'ai changé, j'ai pris Honda. Bon, je suis désolée, j'ai pas le cosplay de Honda par contre. Hein. Ouais, j'ai pas pris une Yamaha, j'ai pris une Honda, ouais, je sais. En plus, réellement, je préfère les Honda que les Yamaha, si on veut parler de moto. Bon, je vais... contre moi-même, je perds contre moi-même. Je vais expliquer quelque chose, je suis très nulle avec Honda, mais j'ai voulu tester la technique, vous savez, faire que des coups de poing comme ça contre Blanca, parce que j'arrivais pas à le passer. J'ai fait que ça, là c'est passé. Les 1000 coups de poing sont passés. Bah, du coup, je vais faire pareil avec lui. Je suis désolée, c'est de l'anti-jeu, je le sais. Après, je récupérerai Chun-Li quand je meurs. Mais ce Blanca là, c'était... En fait, j'allais être ruinée, quoi. Bon, là, c'est le premier qui met le coup, voilà. Dernière manche, si je gagne, contre Honda. Ah mince. Oh, il m'a eu. Bien joué. Moi, je suis floue, comme ça. Et concentration. Voilà. Je vous dis concentration, sincèrement. Il n'y a pas de concentration à avoir, à donner des 1000 coups à chaque fois. Le combat de 1000 coups de main. Il s'y met, je m'y mets. Ce sont des pierres feuilles ciseaux et il a fait que des feuilles. Allez, c'est la dernière manche et je l'ai eu. Stage passé. Je me suis auto-cassé la gueule. Allez, je passe contre Camille. Camille que j'ai déjà fait en cosplay, que vous pouvez aller voir dans mes vidéos cosplay, dans la playlist entraînement en cosplay. Camille, personnage que j'aime beaucoup jouer aussi. En fait, j'aime bien les persos féminins sur Street Fighter. Elle m'a démonté par contre. Allez, round 2. Le premier point est pour elle. Ah, Honda, tu vois, ça commence à être léger pour moi, Honda, parce que je sais faire que ça. Je sais faire que ça avec lui. Et... Honda léger, c'est un pléonasme, c'est un gros tas. Bon, Madame Couette, elle fait que gagner, Madame Couette. Ok, je fais... En vrai, je t'écrase, ça n'existe pas, ça. Bon. Voilà, problème résolu, elle m'a expédié directement aller à la maison. Allez, je reprends ma petite Chun-Li. On retourne en Angleterre contre Camille. Oh, elle a bien rose pour l'occasion. Hop. Ok. Elle m'a eu dans ses griffes. Combat 100% fille. Avec les grosses cuisses de Chun-Li. Et les bras musclés de Camille. C'est fini pour moi. Camille, je peux plus te voir en peinture. Je ne peux pas en placer une. Je sais pas comment la voir, mais j'essaye. Juste une manche, ça me fait déjà plaisir, même une manche. Je sais qu'elle peut être battue. J'ai juste envie de dire que je suis une grosse merde. Utilise que tes pieds, Chun-Li.
que tes pieds. Allez, allez, on part en dessous. Ouh, tes pieds, tes pieds, tes pieds, tes pieds, tes pieds, tes pieds. Ouh, deuxième manche, on y croit. On peut le faire, hein, on peut le faire. Vous savez qu'on peut le faire, on peut le faire. Ça rend fou les jeux vidéo. Allez, le corbeau qui passe à la fin, je vois bien qu'il se fout de ma gueule en plus. C'est pas vrai. C'est une vicieuse, hein. Je me concentre, j'arrive plus à parler. Si je la touche, elle est morte. Si elle me touche, je suis morte. Presque. Oh putain! C'est moi qui gagne ici. Allez, Chun! Vous savez, j'avais un hamster qui s'appelait Chun-Li. Alors, en mémoire de ce hamster qui est malheureusement décédé, j'aimerais bien gagner. S'il vous plaît. Allez, une manche! Je vais en pétard en plus. La première manche, généralement, c'est vicieux, il te laisse un peu gagner. Et après, le perso, c'est bon, il a l'initiative sur tous tes coups. Genre, il sait tout ce que tu vas faire. Bien sûr. C'est toujours comme ça. Oh, j'ai cru que je l'avais eu. Mais elle risque de revenir, elle. Hein. Je la connais bien. Voilà. 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 Allez, un petit... Bien sûr. Hey, Chun-Li. Il n'y a pas eu un bug, là? Ça m'était jamais arrivé, ce genre de choses. Ouais. Concentre-toi. Allez, t'as pas perdu. Concentre-toi. Concentre-toi. En bas, en bas. Je pense que je suis maso. Je vais hypothéquer ma maison. Pour vous, là. Pour vous faire une vidéo où je relève mon défi d'aller au bout de ce jeu de merde. C'est une manche que j'ai gagnée encore une fois. Allez, allez. Je crois en nous. Donnez-moi la force à travers l'écran. Je vous ai dit que c'était mon jeu que j'adorais quand j'étais petite, mais... Je sais pas pourquoi j'ai aimé ce jeu de merde. C'est vraiment nul. Tiens, dans ta tronche. Je ne peux plus vivre sur cette planète. Et que Street Fighter n'existe pas. Tous les PGM là, ils doivent dire. Mais ça, je te passe en 2 secondes. Je te fais des perfects à tous les rounds. Comme quoi, chacun son métier, hein. Putain de merde. J'ai pas compris pourquoi elle est morte. Elle s'est juste pris des coups de pied, quoi. Je vais essayer, je promets rien. C'est la première fois que je chope 2 manches. Pleurer toutes les larmes de mon corps. Elle m'aura saoulée celle-là. Allez, Fei Long. On part sur Fei Long, c'est parti. Ah, j'ai le stress de tout à l'heure, c'est qu'il est encore là. Fei Long, je sais pas trop encore à quoi m'attendre. Il fait comme moi. Hein. Oula. Oh putain. Oh putain. Oh désolé. J'arrête avec mes putains. Joli décor avec un beau dragon, des beaux phénix. C'est plutôt des beaux dragons, un beau phénix. Dégage, Fei Long. Bouge de là. Putain, il va me choper dans le coin, voilà. Alors, Fei Long, comment t'avoir? Je vais essayer de sauter en même temps que toi. Ok, d'accord. Dégage, dégage. Je veux pas que tu t'approches de moi. Pas de corps à... C'est un combat 100% chinois.
Ouh, t'as failli m'avoir avec ta technique de merguez enflammée là. Pour moi. Oh. Il m'a eu avec la technique. Allez, je suis avec Honda, je repars dans ma petite technique de tricherie, on va dire. J'ai même pas besoin de la deuxième main pour jouer. Je me la pète, mais c'est moche. Allez. Ah, et en plus, il va me gagner, c'est ça aussi. Allez. Voilà. Ça, c'est fait. Je sais, je fais que tricher. Non, mais quand j'arrive pas à un moment donné, voilà, c'est ma petite technique de merde. Allez, premier round pour DJ perdu. Alors là, l'astuce, c'est que je vais essayer juste de faire ça. Et d'essayer de bloquer quand il va m'envoyer ces petits disques là. C'est vraiment moche. Hein. Si je gagne comme ça, franchement, quand il m'envoie ces petits disques de Bob Marley là, c'est la foire au fichier, dis donc. Eh, c'est un Jamaïcain, DJ. Et s'il envoie des disques. Et moi j'arrête de. Ouais, j'ai tellement de conneries que je me concentre plus. Oh, il m'a mis un finish de l'espace dans la tronche. Deuxième manche gagnée. Allez, la troisième. Ah, c'est nul, on pourrait parler tranquillement pendant que le combat se passe. Mais si ça me permet d'aller sur le prochain. Et d'économiser une petite pièce parce que je suis en train de vider ma tirelire. Non, c'est vrai, en plus j'avais prévu un budget et j'avais pas du tout prévu de faire ça. C'est une idée qui m'est venue spontanément en voyant la borne d'arcade. Je vous dis, je suis maso, je suis complètement folle d'avoir eu cette idée. J'espère que je vais aller au bout. De toute façon, j'arrêterai pas. Je lui ai défoncé sa petite gueule. Sachez que il y a un cosplay qui s'annonce. Et cette vidéo est un indice au prochain cosplay. Mon Ken, c'est pas la même histoire. Hein. C'est pas du tout la même histoire. Ken est venu s'embrocher sur mes 1000 coups de poing. Ça, c'est bon, ça. Je regarde vraiment son personnage. Quand est-ce qu'il va m'envoyer ses shuriken, hein, Hadouken, si tu veux. C'était mort, là. C'était complètement mort. Bon, c'est l'occasion pour moi de vous annoncer que quand je serai de retour en France, je vais lancer une chaîne de gaming ou un Twitch à réfléchir. Bien sûr, sur des jeux que je connais, hein, je vais pas faire ça sur Street Fighter. Ça serait très très moche à voir. En fait, il n'y aurait rien à voir de plus que ce que je suis en train de faire. Et Ken est très intelligent parce qu'il a compris que ça me faisait chier ces boules de feu, là. Retournons sur nos personnages. Allez, Chun, tu peux le faire. Déjà, si tu te protèges pas, Chun-Li, ça va pas le faire du tout. Allez, on l'a mis dans les nuages. J'aurais dû lui faire un coup de pied puissant, je sais pas pourquoi j'ai pas fait. Allez, Chun-Li, 1-0. C'est bien ma fille. Mmh. Il m'a gagné, Ken, il m'a gagné. Bon, et vous, dites-moi un peu là, Street Fighter, ça vous botte, vous y jouez de temps en temps? Est-ce que vous y avez joué quand vous étiez petit, vous aussi? Ouais, je sais, à voir comment on joue, on dirait que j'ai jamais joué, hein, je sais. Je pense qu'il faut que je m'éloigne de lui et que... Sauf quand il me fait ça. Deux rounds de gagner pour moi. Il faut que je continue comme ça. Je suis sur la bonne voie. Merci Chun-Li de rebondir sur les murs. Ça, c'est vraiment génial comme technique. Concentre-toi. Là, il est vénère. Il en a marre que je gagne. Ah oui, d'accord. Oh oh. Oh oh.
pas si vous vous souvenez du film avec Jackie Chan qui s'appelle Nicky Larson, et quand il rentre dans une borne d'arcade, il se transforme en Chun-Li justement. Ça vous dit quelque chose ou pas? Bon, moi c'est quoi ma technique contre lui déjà? De loin, je saute. Ok. Allez, une manche. Continue comme ça. Mais la première, elle est toujours plus facile, hein. Vraiment, c'est tout le temps. Je suis passée par-dessus son hélicoptère. Oh, super. Ah ouais, je savais qu'il allait faire ça. Je le savais. Allez, un dernier coup de pied. Ouhou, il est passé le dernier coup de pied. Bon. Allez, encore une manche. Enfin, non, peut-être plus, mais j'espère qu'une. Allez, tu peux le faire. Tu peux le faire, Chun-Li. Tu peux le... Ouhou, tu peux le faire, Chun-Li. Tu l'as fait. Ah, c'est cool. Attention, c'est bison. Et oui, parce que bison au Japon, ce n'est pas Balrog. Bison, en fait, c'est par rapport au droit d'auteur avec Mike Tyson. Oh ben d'accord. Comme Balrog représente en fait Mike Tyson, du coup, ils n'ont pas eu le droit d'auteur, ils l'ont appelé bison. Maintenant, remplacez le B par un T. Sur bison. Ça vous donne quoi? Un hélicoptère à la fin, mais faut que je continue comme ça. Il aime pas du tout les 1000 coups de pied, mais le problème c'est que j'arrive pas à les faire en continu là. Je suis trop stressée et j'arrive pas à appuyer comme il faut sur les boutons. Ouhou! Deuxième manche, je l'ai eu! C'est le dernier. Il gagne, je gagne. Et c'est fini. Et tout à l'heure, je l'avais eu avec l'hélico. Non. Faut quand même que je reste baissée parce que il est grand en fait, donc ouais. Ah, oh le pauvre, il s'est fait un peu marave la tête, hein, le Tyson. Vega devient Balrog au Japon. C'est ouh, c'est inversé par rapport à justement à Tyson encore une fois. Oula, oula. Là, j'arrive sur les boss de Shadolo. Ça se complique pour moi. Déjà que c'était compliqué avant. Oh purée. Il faut que je m'habitue un peu là, j'en place pas une. Ouais, s'habituer un peu, ça veut dire que je vais dépenser une pièce. Ouais, ça veut dire ça. S'habituer un peu, ça me coûte très cher hein, ce soir. Espagnol en fond. Oh! Ouais, miaou, mais elle m'a saoulé, les miaou. Allez. Oh, je l'ai eu. Du moment que je lui ai cassé ses griffes, vous avez vu, il était moins fort, le chat. Hein. Non, c'est pas possible, ça. Je peux rien lui faire. Hein. Je peux pas lui foncer dessus, en fait. D'ailleurs, dans l'anime, il y a un combat épique entre Chun-Li et Vega dans la chambre d'hôtel de Chun-Li. Vous pouvez le voir sur YouTube, il y est. Et d'ailleurs, la pauvre, elle se fait complètement défoncer. Tous les jours à l'hôpital, mais elle gagne. Comme moi, pour l'instant. Oh, un joli petit hélicoptère dans le coin. Tout ce qu'il fallait pour faire un superbe finish. Allez, troisième manche. Ah, on sort de la petite chat.
sein de la petit chat. Je lui ai mis un perfect. Il ne m'a pas touché. Et en plus, je vais passer au stage supérieur. Ça, c'est cool. Bien ensanglanté. Hein. J'ai bien fait de parler de l'animé. Ça m'a mis dans la vérité. Je pars en Thaïlande me battre contre un pro de Muay Thai. Il est grand, donc je vois un petit peu comment je peux l'avoir. Je vais essayer les multiples coups de pied, tiens. Ah oui, mais non. C'est vrai que lui, il a le truc à distance, là. Oh là là. Il met des uppercuts. Je crois qu'il faut que je l'ai qu'au coup de pied, lui. Donc, je veux dire, au coup de pied sauté. Je sais pas du tout, mais j'espère. Alors, Sagat, lui, c'est le boss du Street Fighter 1. Et c'est Ryu qui lui a fait sa belle cicatrice sur le ventre. Ça y est, j'ai passé Sagat. Je suis maintenant sur Bison. Et moi, je m'obstinais avec des coups de pied depuis tout à l'heure. Du coup, je suis contre Bison, chez nous. Mais je suis contre Vega, ici. Ah, j'aurais dû l'attraper dans mes mains, mince. Il était si proche. Je suis sur Bison, Vega. J'ai perdu deux manches, il en a perdu deux aussi. Et là, j'essaie de spammer Chun-Li. Oh, magnifique, je l'ai eu. Je suis tellement contente. Défi réussi. Il a tué son papa, Chun-Li, aussi, dans l'histoire. Donc Chun-Li s'est vengé. Ah, j'ai bien fait de prendre ce personnage, finalement. Je n'avais pas pensé à ça en le prenant. Je suis bien contente. J'ai eu une petite coupure, pour vous dire, entre les deux. Oh, regardez la truc de fin. Petite mésaventure, mon téléphone n'a plus de batterie. J'ai dû appeler quelqu'un pour venir le charger. Et c'est gagné pour Chun-Li. Elle est trop forte, Chun-Li. Je vous conseille, si vous jouez à Street Fighter, de prendre Chun-Li. Je suis contente, vous avez vu, mais il y a eu beaucoup de scènes de déception. Arrivé à la fin du jeu Street Fighter 2, hyper sur borne d'arcade. C'est fait. Mon défi est relevé. J'ai pris du plaisir, ça m'a... C'était chiant. Franchement, à un moment donné, ça m'a bien gavé, j'en pouvais plus. Surtout les petits passages contre Blanca un petit peu au début, ensuite Camille... Et il y a eu Sagat qui m'a bien gonflé, Bison aussi, mais vu que j'ai fait une petite technique de triche, bon, multi coup de pied tout le temps, c'est passé. En tout cas, trop contente. Ouais. Vous voyez, il y a même mon nom inscrit du coup, maintenant, Prixim. J'espère que cette vidéo gaming vous aura plu. S'il vous plaît, mettez-moi dans les commentaires si vous voulez que j'en fasse plus, surtout à mon retour en France, parce que si c'est le cas, promis, je vous ouvre une chaîne ou un Twitch. Je vous souhaite à tous de passer maintenant une excellente soirée et je vous dis sayonara !